Je vous propose de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence qui fait partie intégrante du projet que nous avons, Géraldine Roux et moi-même, à partir de l'affaire Dreyfus. Dans le cadre du cycle de cours qui porte sur l'affaire Dreyfus, donc, il est important dans un premier temps, et c'est ce que nous avons fait dans les premières séances, au cours des premières séances, de repérer le plus clairement possible une chronologie d'événements. Une fois posée, cette chronologie révèle l'extrême complexité de l'affaire. Une manière d'entrer dans cette complexité, de tenter d'en percer les mystères, d'entrevoir les contours aussi, consiste à multiplier parfois les points de vue, les regards, les manières d'observer et de réfléchir à ce qui apparaît comme un des grands scandales de notre époque. Le principe des cours est bien sûr de mettre en place l'enchaînement des événements qui ont scandé 12 années effroyables. Mais il s'agit aussi d'écouter des spécialistes, universitaires, reconnus internationalement, qui, par leur travail au long cours, sont entrés dans l'affaire et nous en révèlent quelques clés. C'est la raison pour laquelle les cours sont associés à un cycle de conférences et notre premier invité est Alain Pagès. Alain Pagès est professeur émérite de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Il a consacré sa carrière de chercheur à l'œuvre d'Émile Zola, à la fois historien d'un, ce qu'on pourrait appeler d'un mouvement ou d'un ensemble qu'on appelle le naturalisme, critique, éditeur. Il a publié quantité d'ouvrages, tantôt sur l'écrivain, on pourrait citer un ouvrage qui s'intitule Guide Émile Zola avec Owen Morgan aux éditions Ellipse, sur l'œuvre de Zola. Je vous avais parlé de son édition de Vérité, mais il y a d'autres textes dont il a assuré la présentation et le commentaire. Il a édité également la correspondance de Zola lui-même, de l'écrivain, et puis la correspondance plus intime avec son double foyer avec son épouse, notamment plus récemment, en compagnie d'ailleurs de Brigitte Émile Zola, qui, vous en souvenez, avait mis à disposition de la recherche de nombreux textes. Il est aussi directeur des Cahiers naturalistes, cette revue internationalement reconnue et consacrée à Zola et au naturalisme, pas uniquement à Zola, mais qui présente annuellement des dossiers autour de Zola, mais des dossiers consacrés à d'autres écrivains de cet ensemble qu'on appelle les naturalismes. Il a aussi énormément travaillé et publié dans le cadre de l'affaire Dreyfus et de l'engagement de Zola au sein de cette affaire. Et c'est à ce titre que sa présence aujourd'hui s'impose pour nous avec évidence. Pour illustrer cette introduction, je voudrais la terminer en faisant référence à deux ouvrages récents de notre invité. Le premier a été publié l'année dernière, c'est l'affaire Dreyfus, Vérité et Légende aux éditions Perrin. Et cet ouvrage consiste en un ensemble de 25 questions posées à l'affaire Dreyfus et qui souligne évidemment la complexité de cette affaire qu'on ne peut traiter qu'avec nuance, avec prudence également. C'est ce que essaie de montrer Alain Pagès dans cet ouvrage qui est très, très, d'abord très, très, très simple. On n'a pas besoin de connaître forcément énormément de choses sur l'affaire Dreyfus pour pouvoir en suivre la logique. Et puis, une seconde publication, plus récente, celle-ci, qui se situe dans les cahiers du CRIF, c'est le numéro 61, et qui s'intitule « L'affaire Dreyfus, une histoire médiatique, une relecture », dit Alain Pagès lui-même, « une relecture de l'affaire à l'heure des réseaux sociaux ». Place donc à Alain Pagès, dont le propos ce soir portera sur Zola et ses amis Dreyfusards. Merci, merci pour votre accueil. Effectivement, ce que je vous propose comme réflexion, c'est une conférence qui s'inscrit dans le thème que Jean-Michel Potier a défini, l'affaire Dreyfus, alliés et adversaires. Et donc, je vous parlerai de l'engagement de Zola dans l'affaire Dreyfus, mais en prenant une question qui me semble finalement très intéressante, la question de l'amitié. Quels sont ses soutiens? Comment a-t-il été entouré?
Comment ses amis, ses proches ont-ils réagi? Voilà, c'est finalement de cette notion psychologique que je partirai pour porter sur cette affaire Dreyfus que vous connaissez, sur laquelle vous avez évidemment eu les uns et les autres beaucoup d'occasions de méditer, peut-être de débattre. C'est donc en partant de cette notion de l'amitié que je voudrais porter un regard nouveau, comme le veut le thème du séminaire ouvert par Jean-Michel Potier. Dans cette perspective, je voudrais distinguer autour de Zola cinq catégories d'amis. Vous les voyez affichées. Eh bien, d'abord, le cercle des familiers, les amis proches. Ensuite, ceux qui témoignent à Zola leur soutien en signant des pétitions, notamment ses amis lointains. Je pense aussi à ceux qui lui écrivent d'un peu partout, ses amis inconnus dont il reçoit des centaines de lettres. Il y a aussi ceux qui lui rendent hommage avec un geste particulier, notamment un livre d'hommage qui est publié au moment où il part en exil. Et enfin, je terminerai par cette dernière catégorie d'amis, par une dernière catégorie, celle des amis politiques. Alors, commençons par une première idée, une première réflexion sur les familiers de l'écrivain. On peut dire que ces gens, qui sont ceux qui, amis de Zola, reçoivent en même temps que lui l'affaire Dreyfus, finalement, et le choc de l'affaire Dreyfus, ce sont ses familiers qui l'invitent chez lui le soir, en général d'une manière rituelle, le jeudi soir. Le plaisir consiste à se retrouver, à parler. Zola ne tient pas, on peut le dire, un salon littéraire véritablement, mais c'est plutôt un cercle assez fermé de familiers, d'habitués qui se retrouvent notamment le jeudi. Et ces jeudis de Zola, on peut les connaître, en saisir ou en sentir l'atmosphère, en lisant par exemple ce qu'en dit le musicien Alfred Bruneau, qui a été l'un des amis les plus proches de Zola, à la fin de la vie de Zola, qui a écrit un livre qui dit tout, d'ailleurs « À l'ombre d'un grand cœur ». Et pour la période de l'affaire Dreyfus, eh bien, il énumère ceux qui sont ses amis, ses proches qui entourent Zola. Il y a bien sûr Georges Charpentier, c'est l'éditeur de Zola depuis toujours, Eugène Fasquelle, le nouvel éditeur qui a pris le relais de Georges Charpentier, des amis qui sont vraiment des amis de la famille d'Alexandrine, Amélie Laborde et Albert Laborde. Albert Laborde est important parce que lui aussi laisse des souvenirs importants sur Zola. Et puis les quatre autres noms que je cite et que vous voyez affichés sur l'écran sont France Jourdain, Gabriel Thiébaut, Maurice de Fleury et Fernand Desmoulins, des amis qui aident Zola et qui l'aident souvent sur un plan intellectuel, lui apportant leur documentation. France Jourdain est un architecte que Zola consulte régulièrement quand il écrit certains des volumes des Rougon-Macquart. Gabriel Thiébaut a des compétences de juriste, on l'appelait le jurisconsulte des Rougon-Macquart. Maurice de Fleury est un médecin. Quant à Fernand Desmoulins, c'est peut-être l'un des compagnons les plus proches de Zola, c'est notamment le compagnon des randonnées en bicyclette. Alors vous me direz, parmi ces amis qui sont là en 1897, vous savez, dans cette fin d'année 97 où l'affaire devient de plus en plus publique et où Zola va s'engager, où sont les membres de ce fameux groupe de Médan, hein, de ces écrivains qui ont soutenu Zola en 1880, en 1877, enfin qui se sont groupés autour de lui pour publier notamment avec lui le recueil des soirées de Médan. Les voici, ces écrivains du groupe de Médan. En haut de cette image, vous voyez la figure de Paul Alexis, puis Huysmans et Maupassant sont là côte à côte, Zola est au milieu, et enfin, en bas de l'image, il y a Léon Hennig et Henri Séard. Alors, on pourrait se dire que ces écrivains des soirées de Médan devraient être, hein, dans cette fin de siècle, au moment où l'affaire Dreyfus déchire la France, en 1897 en tout cas, au moment où Zola s'y lance, devraient être aux côtés de Zola. Eh bien, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce que, pour toutes sortes de raisons, ils ont disparu. Maupassant, hélas, est mort, donc on ne peut pas lui faire le reproche de n'être pas là, puisque la mort l'a saisi. Mais pour les autres, pour Huysmans, pour Séard et pour Hennig, eh bien, ils ont choisi l'autre camp, le camp des anti-Dreyfusards. Donc, ils ne sont pas là de toute façon. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ont vraiment rompu à propos de l'affaire Dreyfus avec Zola, car
ils se sont déjà éloignés, finalement, pour d'autres raisons, pour des raisons littéraires. C'est le cas de Séard, c'est le cas de Huysmans, et c'est au fond aussi le cas de Séard. Donc, ils se sont éloignés, ils ne sont plus là. Il n'y a qu'un seul nom que l'on pourrait citer comme devant être présent aux côtés de Zola au moment où éclate cette affaire Dreyfus. Il est d'ailleurs présent, mais il n'est pas au sein de ses familiers du jeudi soir. C'est Paul Alexis. Paul Alexis, lui, est un Dreyfusard. Il l'est dès le début, il a été socialiste autrefois, il le sera d'une façon ardente, et évidemment, il soutient Zola, mais on peut dire qu'il n'a pas de chance dans ce cercle du jeudi soir qui se réunit autour de Zola, parce que pour des raisons privées, pour des raisons particulières, Alexandrine Zola, l'épouse de Zola, lui a fermé la porte du salon de Zola. Pourquoi ? Parce qu'il a pris le parti dans cette histoire privée, terrible d'ailleurs, hein, qui a fragmenté l'existence de Zola dans les dernières années. Il a pris le parti de Jeanne Rosereau, il est l'ami de Jeanne Rosereau, et Alexandrine, pour cette raison-là, ne veut pas le recevoir. Donc, les voilà, ses amis, je viens de les présenter. On peut dire en tout cas que l'affaire Dreyfus, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres cercles amicaux, dans d'autres salons même, n'a pas créé de déchirure, puisqu'il y a les fidèles qui sont là, ceux qui sont du camp entre les refusards comme Huysmans ou Séard sont déjà partis. Et donc, il n'y a pas cette fameuse querelle de famille extraordinaire que représente le fameux dessin que vous connaissez de Carandache, qui a été publié dans le Figaro du 14 février 1898 et qui est une sorte de symbole de la division de la France au moment où l'affaire Dreyfus éclate. Ce dessin, d'ailleurs, date exactement du début du procès de Zola. Donc, on n'en parle pas de cette affaire, dit le maître de maison à ceux qui sont rassemblés autour de lui. Et puis, finalement, le repas s'est mal terminé et la légende, elle est célèbre. La légende de la deuxième partie du dessin explique qu'ils en ont parlé. Ils en ont parlé, la table est dans le plus complet désordre, tout le monde est en train de se battre et évidemment, les paroles d'apaisement du maître de maison n'ont pas été entendues. Donc voilà pour restituer cette atmosphère d'un salon qui reste homogène d'une certaine façon, d'amis qui persistent à porter à Zola, qui continuent à porter à Zola leur amitié et leur soutien. L'affaire Dreyfus quand même fait intervenir de nouveaux visages, de nouveaux personnages. Les voici, je les cite pour les présenté rapidement, Saint-Georges de Boullier, le nom est un peu bizarre, c'est un pseudonyme, mais peu importe, Saint-Georges de Boullier et Maurice Leblond sont les représentants, ce sont de jeunes gens à cette époque, d'un mouvement, le mouvement naturiste, qui succède aux naturalistes. Donc, ils sont là en disciples fidèles et naturellement, ils sont des Dreyfusards. Paul Brulat est un journaliste, un romancier qui écrit dans l'Aurore. Donc, c'est typiquement la nouvelle génération, ces jeunes symboliste ou naturiste qui se lance dans l'affaire Dreyfus avec la fougue de leur jeunesse. Eugène Semenoff est un ami proche de Zola à cette époque, est intéressant parce que d'une certaine façon il représente le soutien de l'étranger. C'est un russe, c'est le correspondant en France de journaux russes et il fait partie de ses amis qui entourent Zola. Et enfin Octave Mirbeau. Octave Mirbeau, je crois que je peux insister sur lui parce que sa présence est intéressante autour de Zola dans cette fin d'année 1897. D'abord, il est là, il est celui qui anime le cercle des amis. Dès qu'il apparaissait, raconte Bruno, nos figures s'éclairaient, je cite Bruno, nos poumons se dilataient dans la certitude où nous étions d'un divertissement somptueux et exceptionnel. Car évidemment, Mirbeau est un conteur extraordinaire, c'est un homme d'une verve étonnante. Donc, il est là par sa verve, par son sens de la satire. C'est à la fois le romancier, le journaliste, le grand polémiste que vous connaissez. Je crois qu'il faut souligner la part que Mirbeau prend à ce moment-là auprès de Zola. Mirbeau, dans les années précédentes, a eu beaucoup de réticence à l'égard de Zola. Il a été proche de lui à l'époque des soirées de Médor, mais il s'est éloigné de lui, il s'est écarté même. Il a eu, au moment de la publication de Germinal en 1885, des mots assez durs. Il a reproché à Zola un roman finalement qu'il jugeait démodé. C'est un peu bizarre d'ailleurs ce jugement de Mirbeau
sur Germinal. Un peu plus tard, en 1891, il lui a reproché de ne pas soutenir l'anarchiste Jean Grave dans l'opposition que Jean Grave a eue avec la Société des gens de lettres, mais enfin Zola, à ce moment-là, défend la Société des gens de lettres dont il est le président et il défend le principe des droits d'auteur. Jean Grave voulait s'en affranchir. Donc tout cela a créé entre Zola et Mirbeau une certaine opposition, mais le 25 novembre 1897, quand Zola publie dans le Figaro son premier article en faveur de Dreyfus, c'est un article pour Scherer Kestner, c'est un article pour le vice-président du Sénat qui s'est lancé dans le soutien d'Alfred Dreyfus, eh bien, Mirbeau est saisi d'admiration. Il est enthousiaste et il écrit à Zola dans une lettre qu'il écrit exactement le lendemain de cette publication de l'article de Zola pour Scherer Kestner. Il lui écrit ceci: « Oh mon cher Zola, quel beau, quel brave, quel admirable article vous avez écrit hier, et avec quel soulagement nous avons entendu, au milieu de tous ces cris, de toutes ces hontes, votre grande et noble voix. Ça a été une émotion qui a fait frissonner tous les cœurs qui ne sont pas encore pourris. Et c'est plus qu'une belle page, c'est un acte d'un beau courage, et nous avons voulu vous le dire, mon cher Zola, ma femme et moi. » Effectivement, Mirbeau signe avec sa femme, Alice, et le couple Mirbeau sera alors, dans ces années qui vont suivre, qui sont d'ailleurs assez brèves, que Zola, vous le savez, meurt en 1902, le couple Mirbeau sera, aux côtés d'Alexandrine et de Zola, un couple d'amis et des soutiens extrêmement fidèles. Voilà donc Mirbeau, avec son énergie, sa fougue, tout son talent de polémiste, il fait vraiment partie des intimes, mais pas seulement d'ailleurs des intimes, aussi de ceux qui vont, au moment du procès, jouer auprès de Zola un rôle comme Fasquelle, l'éditeur, de garde du corps. Il est aussi évidemment le grand polémiste qui mène de son côté une campagne en faveur d'Alfred Dreyfus. Donc au fond, voilà, hein, il a cette place importante, mais je voulais insister sur cette amitié qui s'est reconfigurée après avoir disparu, alors que Mirbeau a été en effet proche de Zola au moment des soirées de Médan. Après s'être éloigné de Zola, Mirbeau revient, il y a une sorte de retour, et de retour qui, jusqu'à la fin de la vie de Zola, sera extrêmement fort, extrêmement dense. Voilà donc ses amis, vous les voyez, vous les devinez, les éditeurs, des familiers, des proches de la famille d'Alexandrine, mais il y a quelqu'un que je voudrais citer parmi ses proches, quelqu'un que vous n'attendiez pas peut-être dans cette galerie d'amis, c'est Mallarmé. Voici son portrait par Édouard Manet. Alors, Mallarmé, à cette époque, qui est-il? C'est quelqu'un dont la gloire est considérable. En 1897, il ne fait pas partie de ses amis qui fréquentent le salon de Zola, car il a son propre salon, devenu célèbre avec les années. Ce sont ces fameux mardis, les mardis de la rue de Rome. Il habite rue de Rome. Il a autour de lui des disciples qui le vénèrent. Il vit dans un autre monde, le monde des poètes symbolistes. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'autrefois, à l'époque justement des soirées de Médan, à l'époque de l'Assommoir, dans ces années 1877-1880, il a été très très proche de Zola et il a été régulièrement un des familiers des jeudis soirs de Zola. Ça, on le sait depuis peu, grâce à des lettres qui ont surgi récemment. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de comprendre que quand Zola publie en 1877 l'Assommoir, Mallarmé lui écrive une lettre enthousiaste. Souvent, on est étonné par cette lettre que Mallarmé écrit à Zola au moment de l'Assommoir. Il loue l'Assommoir, il lui dit que c'est une admirable tentative linguistique. Alors, il fait des critiques quand même, mais il est vraiment enthousiasmé par le roman. On se demande pourquoi. Eh bien, quand on lit en détail cette lettre, on s'aperçoit que, en fait, ils se fréquentent beaucoup à cette époque, que Mallarmé se rend le jeudi soir chez Zola, et dans cette lettre sur l'Assommoir, Mallarmé dit ceci par exemple: « Si je vous avais parlé, au risque de vous ennuyer pendant une heure ou deux, mais vous auriez eu beau jeu de me répondre. » Voilà, il fait donc allusion à ces conversations qui étaient les leurs. Alors, que se passe-t-il au moment où Zola entre dans l'affaire Dreyfus, donc fin 97, début 98, il y a en janvier 98,
janvier, vous le savez, le fameux J'accuse, le grand J'accuse, et puis il y a en février 1898 les 15 audiences du procès qui secouent tout Paris. Mallarmé, lui, ne s'engage pas. Mallarmé ne signe aucune des pétitions en faveur de Zola. Il est sur sa réserve de poète, peut-être. Dans ses souvenirs, Léon Blum évoque Mallarmé de façon un peu ironique en disant que le poète, c'est Léon Blum qui parle, je le cite, avait placé entre l'affaire et lui le filet protecteur de son rêve. Voilà, Mallarmé, il est en quelque sorte dans son rêve. Mais il écrit à Zola le 23 février 1898 une lettre magnifique. C'est au moment où Zola est condamné, on est à la fin du procès. Et voici ce texte qui est du Mallarmé, hein, si je puis dire, c'est-à-dire un texte pas facile à lire de façon immédiate, mais quand on le regarde dans le détail, un texte extraordinaire au fond. Pénétré de la sublimité qui éclata en votre acte, il ne m'a pas paru pouvoir, par un applaudissement, vous distraire, ni rompre un silence, chaque heure plus poignant. Le spectacle vient d'être donné à jamais de l'intuition limpide, opposée par le génie au concours des pouvoirs. Je vénère ce courage et admire que d'un glorieux labeur d'œuvre qui eût usé ou contenté tout autre, un homme ait pu sortir encore neuf, entier, si héroïque. C'est à lui, condamné, que je demande, comme si je ne le connaissais pas, à cause de l'honneur qu'on en ressent, en tant qu'un dans la foule, de toucher passionnément la main. Voilà, Mallarmé, Zola vient d'être condamné, il est condamné lourdement, vous le savez, Zola, il est condamné à un an de prison et à une amende considérable. Mallarmé le salue, lui tend la main, s'adresse au condamné et dit des choses qui me semblent importantes. Il dit qu'il trouve merveilleux que d'un glorieux labeur d'œuvre, c'est-à-dire que Zola, après une œuvre si importante, ait eu le courage d'avoir ce geste qui finalement ne lui apporte rien d'une certaine façon, enfin, pour lequel il ne peut rien espérer, ce geste absolument héroïque, dit Mallarmé. Et il a ces mots assez étonnants, c'est à lui condamné que je demande l'honneur de serrer la main. Car au fond, Mallarmé se présente, et je trouve que cette image nous fait bien comprendre l'atmosphère de l'époque, comme un inconnu dans une foule, mais il sait bien que la foule est menaçante. Quelle est la foule de ces manifestants qui entourent en février 98 le palais de justice de Paris, qui hurlent à mort Zola, à bas Dreyfus et évidemment à mort les Juifs? Il sait bien que Zola est entouré par cette foule de manifestants hostiles et il a ce geste, un geste de poète évidemment, qui consiste à dire que parmi cette foule menaçante, il y a au moins un inconnu, bien sûr Zola le connaît, mais au moins quelqu'un qui est capable de lui tendre la main. Ce poète veut imaginer que ce geste amical, par la lettre en tout cas, Zola peut ainsi le ressentir. Donc vous voyez bien que Mallarmé, évidemment, ne s'engage pas dans cette affaire Dreyfus publiquement, il ne signe aucune pétition, on a pu le reprocher sans doute, mais il vit d'une façon intime l'engagement de Zola. Dans sa lettre, ce texte que vous avez sous les yeux, il désigne le J'accuse par un mot que je trouve très beau, l'acte. Hein, l'acte. Vous voyez qu'il y a un A majuscule. Ce A majuscule correspond exactement au A majuscule du mot J'accuse sur la grande page de l'Aurore du 13 janvier 1898. Donc cet acte, c'est J'accuse qui est imité pratiquement par la graphie que choisit Mallarmé, avec ce mot ouvert par une majuscule. Et pour parler comme un linguiste d'aujourd'hui, on peut dire que Mallarmé a parfaitement conscience de ce qu'un linguiste d'aujourd'hui appellerait la valeur performative de J'accuse, c'est-à-dire le fait qu'un mot écrit est aussi un acte, que J'accuse est un acte. Et d'une certaine façon, Mallarmé, en linguiste qu'il est, car vous savez qu'il a été un grand linguiste, conscient des problèmes de la langue au plus haut point, mais au niveau technique aussi, on peut dire que Mallarmé anticipe au fond sur un linguiste d'aujourd'hui, quelqu'un comme John Austin, qui a défini les énoncés performatifs en disant que quand on dit, on fait, quand dire, c'est fait. Voilà donc Mallarmé
Un peu plus tard, après ce mois de février 98, le 27 avril, il écrit de sa maison de campagne de Valvin, où il se trouve, cette phrase que je relève dans sa correspondance: « Je me crois puni, en prison, relégué à la place de Zola ». Zola n'est pas en prison, heureusement, mais il a été condamné à un an de prison, et Mallarmé, au fond, se projette par la pensée dans cette prison future où Zola pourrait être conduit. On voit donc que même s'il ne fréquente pas alors la rue de Bruxelles, c'est-à-dire le logement de Zola, Mallarmé fait partie des familiers dont les lettres montrent la présence. Il mérite d'être rangé dans cette catégorie d'amis proches. Ce n'est pas évidemment un combattant comme Fasquelle ou Mirbeau. Il ne joue pas le rôle de garde du corps, mais il souffre avec Zola. Je trouve cette lettre magnifique, celle que je viens de vous lire. Il vit dans son corps la même histoire. Il éprouve, au sens étymologique, de la sympathie. C'est ce que dit le mot sympathie d'un point de vue étymologique. Alors, terminons avec juste un glissement, peut-être, un glissement dans l'imaginaire. Mallarmé va mourir dans quelques mois. Nous sommes en avril. Il meurt le 9 septembre 1898 dans sa maison de campagne de Valvin. Ses biographes disent qu'il a été victime d'un étouffement, d'un spasme du larynx. Eh bien, je pourrais rêver, comme le font certains biographes aujourd'hui qui aiment saisir ce moment de la fin, je pourrais rêver peut-être à cette fin de Mallarmé, étouffé en pensant à l'acte de Zola et peut-être tentant de reproduire l'acte de Zola par ce spasme du larynx qui le conduit à la mort. Voilà donc une première partie, et j'aimerais passer au soutien de l'auteur de J'accuse à ses amis lointains. Alors, ce sont ceux qui signent les pétitions de l'Aurore. Zola ne les connaît pas, ne les connaîtra pas, ils sont d'ailleurs trop nombreux, mais ce sont ses amis qui se manifestent par un nom, et c'est important, qui se manifestent publiquement par un nom. Voilà, ils surgissent dans les textes des pétitions, juste après le J'accuse, le 13 janvier 1898, il y a eu deux pétitions qui ont paru dans l'Aurore et dans les quelques journaux de réfusards de cette époque, le 14 et le 15 janvier 1998. C'est encore rare, les pétitions à cette époque. Ceux qui signent ces pétitions signent ce qu'on appelait à l'époque des protestations, c'est le mot de cette époque. Ils protestent, en effet, ils protestent contre la violation des formes juridiques dans le procès d'Alfred Dreyfus. Ils en demandent la révision. Et vous savez que ces Dreyfusards de la première heure sont appelés des révisionnistes. Le mot révisionniste changera de sens plus tard, mais dans le contexte Dreyfusard, être révisionniste, c'est demander la révision du procès de Dreyfus. Inscrire son nom, en tout cas, témoigne de la part de ceux qui le font d'un certain courage. On se nomme, on dit qui on est, enfin on apparaît publiquement dans un journal, et les signateurs souvent mentionnent leur profession, font suivre leur titre universitaire de leur nom. La seconde pétition est la plus longue, enfin il y a deux pétitions, une assez courte, une plus longue, le 15 janvier, elle développe les motivations de ceux qui signent, et on voit bien que c'est l'émotion, c'est-à-dire au fond une amitié collective qui s'exprime. Ceux qui signent sont frappés, je cite le texte de la pétition, des irrégularités commises, ils se disent étonnés, émus. Ils demandent aux députés de maintenir les garanties légales des citoyens. Ils reproduisent au fond, par leur émotion, l'émotion qui était celle de Zola au moment où il a lancé son J'accuse. Les voilà donc dans une lutte collective encore balbutiante. Il n'y a pas eu beaucoup de pétitions collectives jusqu'ici. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. On peut citer quelques précédents, la pétition en faveur de l'écrivain Lucien Descaves, qui avait été poursuivi pour un roman antimilitariste en 1889. Il y a eu aussi une pétition en faveur de Jean Grave en 1994, mais au fond, les pétitions sont encore peu nombreuses, et ces hommes, parce qu'on veut dire ces hommes et ces femmes, mais il n'y a pratiquement pas de femmes qui signent, hélas, en tout cas ces hommes qui signent franchissent une étape, ils vont loin, ils anticipent sur le combat à venir, ils finalement disent que cette cause leur appartient, et ils font plus peut-être que inscrire un nom.
Et vous savez combien les anti-Dreyfusards s'opposent à eux à ce moment-là. Barrès se moque de ses pétitions, se moque de ses signataires dans un article qui est publié dans le journal le 1er février 1998 et qui s'intitule « La protestation des intellectuels ». Je cite quelques phrases de cet article de Barrès que vous avez sous les yeux là. « Avez-vous lu ces pétitions ?» demande-t-il. « Quelques centaines de personnages affirment en termes détournés leur sympathie pour l'ex-capitaine Dreyfus. » Et Barrès ajoute en se moquant « On dresse le bottin de l'élite qui ne voudrait en être. C'est une gentille occasion que de licencier. » Effectivement, beaucoup avancent leur titre universitaire de licencier. Ils marchent en rang serré avec leurs professeurs. Il écrit encore « Rien n'est pire que ces bandes de demi-intellectuels, une demi-culture détruit l'instinct sans lui substituer une conscience. Ces prétendus intellectuels sont un déchet fatal dans l'effort tenté par la société pour créer une élite. » Cette vision anti-élitiste de Barrès, je pense qu'elle fait écho dans vos esprits quand on pense aujourd'hui au thème de l'anti-élitisme que certains peuvent défendre dans le monde populiste. Et puis, il y a les audiences du procès qui vont aussi montrer autour de Zola ses amis qui se groupent, ceux qui viennent assister à ces audiences au palais de justice, Proust par exemple, jeune Proust, pour qui c'est une initiation importante, tous ceux d'ailleurs qui ont décrit le palais de justice de Paris en février 1998 ont décrit un spectacle extraordinaire, je cite un peu pour l'anecdote peut-être, mais pour vous faire sentir l'atmosphère, ce texte du chroniqueur de l'Aurore qui décrit la salle du procès, la salle bondée, offre le plus curieux aspect. C'est une masse noire où les physionomies se noient, toutes semblables. Sur le noir des pardessus et des chapeaux, seule tranche la note claire des fourrures grises ou blanches ou des chapeaux avec nœuds de couleur ou plumes blanches. Foule s'agite, s'amuse, piaille, gamine en attendant l'heure. De l'affaire Dreyfus, on n'en parle pas. Chacun songe à se caser le mieux possible. On se réjouit de la bonne place usurpée. À des silences relatifs, les cris succèdent. Assis, assis. Des avocats sont jugés sur les poils, sur les tambours des portes, à 3 mètres de hauteur. D'autres sont assis par terre, au pied de la cour, au pied du jury. Bon, c'est un univers essentiellement masculin, mais vous le voyez quand même, quelques femmes sont présentes, des dames d'ailleurs, s'étonne Scheurer-Kestner quand il évoque ce procès. Il y a un banc des dames que les journalistes repèrent, citent, et ce banc des dames accueille Alexandrine Zola, c'est bien normal, elle est là, présente pour soutenir son époux, mais aussi Lucie Dreyfus, Marguerite Laborie, qui est la femme de Laborie, l'avocat de Zola, et des rencontres se produisent, des amitiés se nouent, et par exemple, Alexandrine Zola et Lucie Dreyfus, la femme d'Alfred Dreyfus, prendront l'habitude de venir ensemble au palais de justice. Elles ne se connaissaient pas et elles font alors connaissance. Hélas, parmi les dépositions qui vont suivre, qui occupent ces 15 audiences, aucune femme ne pourra prendre la parole. Citée comme témoin, Lucie Dreyfus ne peut pas prononcer un seul mot. Elle est contrainte au silence par le président de la cour d'assises. Et puis, une femme qui aurait pu prendre la parole, une grande journaliste de l'époque, une femme extraordinaire, Séverine, l'ancienne amie de Vallès, que l'avocat de Zola, Laborie, aurait voulu voir prendre la parole, répondant qu'elle préfère servir la cause de Dreyfusard par ses comptes rendus qui sont magnifiques et qu'elle donne alors dans les journaux dans lesquels elle écrit. Voilà, cette évocation du procès, ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas en parler longuement, vous savez que ce sont des audiences extraordinaires, que par exemple la présence de Picard a marqué fortement les esprits. Ce que je voudrais simplement souligner concernant Zola, c'est le courage de ses amis qui l'entourent et qui doivent se heurter à la foule des manifestants hostiles, car l'atmosphère, si elle apparaît comme mondaine au début dans cet article de l'Aurore que je vous ai cité à l'instant, du 8 février 1998, très vite, c'est une atmosphère qui se tend, qui devient violente. Il y a les manifestants aux portes du palais de justice et dans la salle et dans les couloirs du palais de justice, constamment, constamment des manifestations hostiles. Et là, on a un témoignage assez intéressant qui est celui d'un conseiller à la Cour de cassation, qui a laissé des mémoires qui, je crois, sont encore inédits. C'est un texte, en tout cas, moi, que j'ai copié dans des archives, que je vais vous lire, où l'on voit Bard décrire l'atmosphère
de ce procès. Les applaudissements ou les huées accompagnaient les paroles des témoins, des prévenus, des magistrats et des avocats. Des groupes d'individus étaient introduits exprès pour manifester dans la salle d'audience. On y percevait en même temps les clameurs d'une foule considérable massée aux alentours. Des voies de fait se commettaient à l'intérieur du palais et au dehors, où l'on donnait la chasse aux partisans de la révision. Puis un peu plus loin, dans un autre passage de ses mémoires, quand le verdict est prononcé, il évoque au soir du 23 février la foule qui salue par des hurlements de joie, bien sûr, la condamnation des accusés. Et voici ce que dit Bard. Quand la condamnation eut été prononcée au milieu des manifestations de l'assistance, les galeries avoisinant la cour d'assises retentirent longuement, non pas de vociférations quelconques, mais des cris de mort aux Juifs proférés avec un ensemble parfait par plusieurs centaines de messieurs, dont beaucoup avaient revêtu indûment, j'aime à le croire, la robe d'avocat. J'entendis encore ce cri de mort aux Juifs poussé sur la voie publique en différents quartiers de Paris par des bandes de manifestants bien disciplinés et marchant comme un seul homme. Cette monstruosité paraissait toute naturelle. Le mot Zola est resté célèbre, il a simplement dit ce mot-là, ce sont des cannibales. Quant à Clémenceau, il évoquera plus tard, en 1906, au moment où il sera question de la panthéonisation de Zola, ces événements qui l'ont marqué, dont il se souvient profondément, et il dit ceci, je le cite, « J'étais là quand il a été condamné, nous étions 12, et je l'avoue, je ne m'attendais point à un pareil déploiement de haine. Si Zola avait été acquitté ce jour-là, pas un de nous ne serait sorti vivant. Hein » Vous voyez ce qu'écrit Clémenceau, ce que dit Clémenceau. « Si Zola avait été acquitté ce jour-là, pas un de nous ne serait sorti vivant. » Vous avez peut-être écouté hier soir dans l'émission de la Grande Librairie, Robert Badinter, qui a lancé un vibrant hommage à Zola en évoquant ses souvenirs, en évoquant sa vie de grand avocat qui a été la sienne. Et ce qu'il retient de l'acte de Zola qu'il célébrait hier soir sur France 5, c'est justement cette haine qui a entouré le romancier au moment de cette bataille de l'affaire Dreyfus. Voilà, je conclurai cette deuxième partie en citant, en montrant peut-être quelques images qui appartiennent à une collection qui a été vendue récemment à Drouot. C'est une collection de dessins d'un dessinateur qui s'appelait Maurice Feuillet et qui a représenté, car il n'y a pas de photographie, enfin si, il y a quelques photographies, mais il y a peu de photographies en tout cas de cette salle de la cour d'assises, qui a représenté les moments de ce procès. Voici Zola à son banc, écoutant, silencieux. Voici les avocats qui sont là, groupés, se consultant. Et voici le banc des dames que je voulais évoquer dans ce dessin de Maurice Feuilly. Voilà. Passons à une troisième partie ou à un troisième groupe d'amis, les témoignages d'admiration de la part de ceux qu'on peut appeler les amis inconnus. Alors, sur ce thème des amis inconnus, c'est-à-dire de ceux qui écrivent à Zola des lettres en s'excusant d'ailleurs d'être des inconnus qui écrivent, parce qu'après tout, quand on écrit à quelqu'un, a priori, on doit le connaître. Sur ce thème, donc, des amis inconnus qui communiquent leur enthousiasme à Zola, vous savez que Marie Aignier, dans le cadre de ce séminaire, dans quelques semaines, prendra la parole parce qu'elle est l'auteur d'un bel ouvrage qui s'intitule « Les amis inconnus se mobiliser pour Dreyfus » où elle a analysé à la fois les lettres écrites à Zola et les lettres écrites, non pas à Alfred Dreyfus, mais plutôt à Lucie Dreyfus, de tous ses admirateurs et admiratrices à cette époque. Donc, je n'insisterai pas trop sur ce thème, puisqu'elle en parlera bien mieux que je ne pourrais le faire. Je me contenterai de quelques citations, car Zola a reçu des centaines de lettres d'inconnus s'excusant d'ailleurs, encore une fois, de prendre la parole pour lui dire leur admiration. Juste quelques citations pour vous faire sentir le ton, la tonalité de ces lettres. Permettez à un inconnu, voici quelqu'un qui écrit le 14 janvier 1998, juste après J'accuse, permettez à un inconnu de vous dire que vous avez accompli là, en matière de courage, c'est-à-dire de vertu, un acte équivalent à ce qu'est le Parthénon
en matière de beau, un de ces actes qui flambent au sommet de l'histoire et qui rachètent l'homme de ses médiocrités et de tant de vilainies. Bien, ce personnage, qui est un professeur de philosophie et qui écrit ceci, s'appelle Gaston Laurent. « En lisant votre lettre, j'ai cru entendre sortir de la tombe la grande voix d'un Victor Hugo. Oui, elle est vraiment ressuscitée. Vous prenez place parmi les grands hommes qui parlent pour la France dans l'histoire. Vous pouvez regarder avec calme leurs images et leur dire, vous tous, soyez témoins. » Plus vigoureux, un certain Ernest Lavergne, garçon de restaurant, écrit à Zola, « Salut, défenseur de l'humanité, ne vous laissez pas intimider par les pantins de l'état-major, comme vous les appelez si judicieusement. Vous avez avec vous, citoyens, la masse prolétarienne. Elle vous admire dans cette œuvre d'assainissement moral. Elle est heureuse, j'en suis certain, de constater que votre génie colossal est au service des opprimés. » Et voilà encore deux citations qui sont des citations de lectrices de Zola. D'abord, le témoignage d'une lectrice qui dit qu'elle n'a pas beaucoup aimé Thérèse Raquin, car elle a trouvé que l'héroïne de ce roman ne lui convenait pas. Elle n'a pas pu, en tout cas, s'identifier. Elle reconnaît que J'accuse est un texte extraordinaire et elle écrit ceci. « Aujourd'hui, devant votre admirable lettre, je m'incline devant l'homme assez courageux pour dire la vérité et prétendre la défense d'un innocent, et prendre, pardonnez-moi, la défense d'un innocent et d'une victime. » Et puis, cette jeune femme, elle s'appelle Cécile Cassot, et voici ce qu'elle écrit à Zola. Elle est consciente, je crois, c'est intéressant, que l'affaire est d'abord un combat masculin, mais elle tient à apporter la présence d'une voix féminine dans ce combat. Et voici ce qu'elle écrit. « Ce cri de justice que personne n'osait jeter, vous l'avez magnifiquement fait entendre dans votre admirable lettre. Jamais, jamais, vous n'avez trouvé d'accent pareil. Ô maître, je vous aime et vous suis, car il n'y a pas de sexe pour la vérité et pour la justice. » Voilà, ce qu'il faut souligner, c'est non seulement la dimension nationale de ces lettres qui arrivent d'un peu partout, mais la dimension internationale. Jean-Michel Potier, qui vient d'introduire cette séance, le sait bien, il a participé comme moi à un colloque qui s'est tenu en mai 2019, que l'équipe Zola du CNRS a tenu, autour justement du caractère international des lettres adressées à Zola au moment de l'affaire Dreyfus. Et ce colloque a donné lieu à un numéro spécial des Cahiers naturalistes qui a pour titre « Naturalisme du monde, les voies de l'étranger ». Et on voit dans ce numéro, vous pourrez peut-être vous procurer si vous le souhaitez, on voit toute la richesse, en effet, des articles qui peuvent porter, qui ont pu porter sur le rayonnement épistolaire de Zola à l'étranger. C'est le thème de Céline Renaud-Tostin, premier article. Jean-Michel Potier a réfléchi à cette question aussi. Puis vous voyez que la Belgique, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, évidemment l'Angleterre, aussi les États-Unis, tous ces pays sont analysés par différents chercheurs qui se sont plongés dans ces lettres souvent extraordinaires. Il y a même un article de Zaki Koussa sur Zola et ses correspondants du Proche-Orient. On a retrouvé une lettre écrite de Jérusalem, par exemple, deux interviews aussi d'Émile Zola dans un journal de Jérusalem. La grande diversité des articles de ce numéro spécial des Cahiers naturalistes montre en effet la dimension internationale de tous ceux qui s'adressent à Zola et qui écrivent, alors qu'ils écrivent souvent en français, parce que le français est une langue internationale dont le rayonnement est beaucoup plus important qu'il ne peut être aujourd'hui, mais qui écrivent aussi dans leur langue à eux, hein, car beaucoup de lettres sont écrites ou en espagnol, ou en anglais, ou dans toutes les langues évidemment de l'Europe. Et dans la recherche que nous avons faite, bien, nous avons eu l'occasion souvent de traduire certaines de ces lettres. Voilà donc ces hommages épistolaires, ces lettres d'inconnus. J'aimerais passer maintenant aux hommages publics, aux hommages d'amis célèbres au fond, car ces amis qui peuvent prendre la parole d'une façon publique, qui vont notamment participer à un grand ouvrage collectif qui s'intitule « Livre d'hommage des lettres françaises à Émile Zola », ces amis qui prennent là la parole sont évidemment des écrivains, des artistes,
des hommes politiques, donc des gens qui ont une certaine notoriété. Cette notoriété leur permet de prendre la parole. Voici la couverture de l'ouvrage collectif assez extraordinaire qui a été publié en juillet 1898, qui s'intitule donc, vous le voyez, « Livre d'hommage des lettres françaises à Émile Zola », et qui a été publié exactement au moment du départ en exil de l'écrivain, c'est-à-dire en juillet 1898, au moment où la condamnation de Zola devient effective, car Zola a été condamné en février 1898, et il a fait appel, et puis finalement, un troisième procès a eu lieu, très court, au mois de juillet 1998, et ce procès s'est soldé par une condamnation définitive qui a conduit Zola, sur les conseils de son avocat, Fernand Laborie, sur les conseils de Georges Clemenceau aussi, à partir brutalement, à toute vitesse, prenant le train le soir à Londres. Et au moment donc où l'exil commence pour Zola, eh bien, ses amis rassemblent leurs énergies pour publier ce très beau livre d'hommage, où se trouvent réunis d'ailleurs des écrivains français et des écrivains belges. Ce sont les lettres françaises, les lettres francophones en quelque sorte, car il y a deux éditeurs, vous le voyez d'ailleurs, je crois, sur cette image, il y a un éditeur parisien et un éditeur bruxellois. Alors, en quelque sorte, au fond, c'est le troisième degré de l'écriture de l'hommage. Le premier degré, c'est la pétition, le geste admiratif de la pétition. Le deuxième degré, c'est la lettre, qui peut être longue, mais elle reste privée. Et enfin, l'ouvrage collectif, degré suprême. L'ouvrage de cet hommage à Zola rassemble plus d'une centaine de contributions. Les textes sont très divers, d'ailleurs. C'est étonnant de les relire aujourd'hui. Il y a des poèmes, il y a des textes longs, il y a des chroniques. Chacun utilise le style qui lui convient. Chacun exprime son admiration comme il le souhaite. Tous, d'ailleurs, ne disent pas qu'ils sont des admirateurs de l'écrivain. Certains même avouent qu'ils sont très réticents devant le naturalisme de Zola et sa grossièreté, mais ils mettent en retrait, en quelque sorte, leur réticence pour dire qu'en tout cas, le geste de J'accuse, pour eux, est extrêmement important. L'avant-propos indique que trois générations d'écrivains viennent dans cet hommage proclamer bien haut que malgré la divergence des opinions politiques, des situations sociales, il existe un sentiment plus fort que toute idée et tout âge, le sentiment de la justice. Tous s'inclinent devant l'acte de Zola, quelle que soit leur réticence devant l'esthétique de l'Assommoir ou de La Terre. Vous savez que La Terre est peut-être le roman de Zola qui, à cette époque, a suscité le plus de polémiques. Je citerai simplement deux articles pour les évoquer en quelques mots devant vous. L'article qui ouvre le recueil, c'est un article de Paul Alexis. Le pauvre Paul Alexis, j'ai envie de dire, qui se voit refuser la porte du salon de Zola en raison de circonstances privées, lui, au moins, a le droit d'écrire un article de grande amitié en tête du volume. Il rappelle que Zola, il l'aime depuis toujours, qu'il a toujours combattu à ses côtés et que depuis 18 ans, il est fidèle. Il écrit ceci, depuis 18 ans, c'est réaliser ce programme d'amitié et de littérature. Non seulement je n'ai jamais quitté Zola, mais je l'ai mieux connu, chaque jour, davantage admiré. J'évoquerai aussi l'article de Mirbeau, à qui j'ai accordé beaucoup d'importance tout à l'heure, vous en souvenez, qui, dans cet article qu'il publie dans le livre d'hommage, évoque une matinée du procès. Il raconte qu'un jour, il vient chercher Zola chez lui pour le protéger, pour l'accompagner. Dans la rue, on entend sous la fenêtre du romancier des cris à bas Zola, mais, dit-il, Zola reste calme. Il réagit avec sérénité, et voici ce qu'écrit Mirbeau. « Devant cet homme, si simple et si fort, qui, pendant ses heures tragiques, n'a pas connu la moindre défaillance, dont la grandeur d'âme a grandi avec les insultes, avec les menaces, une émotion immense m'emplit le cœur. Je sais maintenant que c'est un héros. » Alors, dans cette catégorie des hommages publics, des témoignages que tout le monde peut connaître, il ne faudra pas oublier les artistes, au fond les peintres ou les dessinateurs, car les artistes jouent un rôle important dans cette affaire Dreyfus. On sait que le dessin a globalement été anti-Dreyfusard, qu'il a été nourri, hélas, des caricatures les plus ignobles de l'antisémitisme, mais il y a
des artistes qui ont choisi le bon camp, le camp de Réfusard. Et j'aimerais citer trois exemples d'artistes assez peu connus aujourd'hui, au fond, mais qui méritent qu'on leur rende hommage plus d'un siècle après la fin de l'affaire Dreyfus. D'abord, le dessinateur Ibels, Henri-Gabriel Ibels, puis un peintre qui s'appelle Henri de Groux, et enfin, vous le verrez, un peintre, lui, totalement inconnu, qui, hélas, a disparu de toute renommée, le peintre Édouard de Bas-Ponsan. Alors voilà d'abord Ibels, qui, en février 1998, au moment où a lieu le procès de Zola, publie un journal hebdomadaire, un journal de caricature, mais de caricature dreyfusarde, qui s'appelle Le Sifflet, et qui répond au journal concurrent, qui a beaucoup de succès, hélas, le journal de Forain et de Carandache, qui s'intitule Psit. Et il écrit, enfin, et surtout, il dessine dans Le Sifflet toutes sortes de dessins qui rendent hommage au combat de Dreyfusard. Voici, par exemple, je choisis un dessin pour vous montrer la patte d'Ibels. Voici le dessin d'Ibels qui montre le traître. Voilà, hein, le personnage extraordinaire de traître qui était ce fameux Esterhazy dont on est étonné encore aujourd'hui de voir qu'il ait pu séduire les foules anti-Dreyfusard, qu'il ait pu apparaître même à certains comme un héros, alors que c'était véritablement un personnage abominable, au fond, que rien ne pouvait défendre, un escroc total. Et ce qu'il faut noter, c'est que quand Ibels, Henri-Gabriel Ibels, publie Le Sifflet en réponse au Psit de Carandache, il le fait explicitement en soutien aux J'accuse de Zola. On le mesure en lisant cette lettre que je vais vous montrer, une lettre qu'Ibels a écrite à Zola juste après la publication de J'accuse. Voici ce qu'il écrit. « À vous et à votre femme, je souhaite la joie de voir triompher la vérité dont vous vous êtes fait le courageux champion. Avec la même ardeur, la même foi, la même logique, vous défendez en Dreyfus une cause humaine, comme il y a 30 ans, vous défendiez en Manet une cause artistique. Aujourd'hui, vous joignez à l'autorité de votre nom, l'autorité morale de ceux qui vous accompagnent, l'autorité intellectuelle de ceux qui vous suivent avec de pareilles forces. Il vous sera moins difficile de vaincre l'opinion de la foule, injuste, passionnée, mais pas indifférente, heureusement. Je reste, mon cher maître, votre admirateur, et je suis fier d'être un peu votre ami. » Je trouve importante cette lettre parce qu'il montre qu'il y a autour de Zola ceux qu'il suivent, que ceux qu'il suivent lui permettront de vaincre cette foule injuste, passionnée. Je trouve que dans ce combat de Dreyfusard de cette époque, il y a quelque chose qui peut ressembler souvent à ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, d'une foule, ce qui serait peut-être celle des réseaux sociaux aujourd'hui, injuste, une foule anonyme finalement. Et ce que montre Ibels, c'est que face à cette foule anonyme, passionnée, qui l'insulte, eh bien, heureusement, ses amis se dressent. Et il termine par « Je suis fier d'être un peu votre ami, un peu parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne l'a pas rencontré, mais il a cette pudeur d'une amitié qui se déclare à Zola. » Et quand il publiera chez Stock, à la fin de l'année 98, le recueil de ses dessins du Sifflet, il ouvre ce recueil par une très belle dédicace à Zola. La voici, à Émile Zola, à l'auteur de l'œuvre, hein, l'œuvre c'est le grand roman sur la peinture, un artiste, à l'auteur de Germinal, un homme, à l'auteur de J'accuse, un citoyen. Voilà donc un premier artiste dont je voulais vous parler, c'est Ibels. Maintenant, Henri de Groux. Henri de Groux est quelqu'un qui a ressenti devant le procès de Zola une profonde émotion. Lui, c'est intéressant parce qu'il vient plutôt d'un camp qui était hostile à Zola. Ses amis sont des gens qui n'aiment pas Zola. Il est plutôt du côté d'un monde catholique hostile à Zola. Et il y a chez lui une sorte de transformation qui s'opère au moment de l'affaire Dreyfus. Et il publie un très beau tableau qui se trouve aujourd'hui exposé au musée de Médan, qui s'intitule « Zola aux outrages ». En 1890, il avait exposé au Salon de Bruxelles un tableau qui lui avait valu une certaine notoriété, un « Christ aux outrages », qui montre Jésus gravissant la colline Golgotha, entouré de groupes hostiles, et il reprend ce thème d'un Zola-Christ, finalement, par ce tableau de Zola aux outrages. C'est l'écrivain sortant du palais de justice
s'avançant au milieu d'une foule, levant le bras pour tenter de se protéger contre tous ces corps hurlants qui le menacent. Il y a un écho, je trouve, entre ce tableau d'Henri de Groux qui traduit parfaitement l'atmosphère de l'époque, cette violence, cette haine dont parlait Robert Badinter hier, que j'évoquais à l'instant, mais dont parle aussi Mallarmé dans la lettre que je vous ai lue et dont parlait aussi le conseiller Alphonse Barde dans les citations que je vous ai lues. Ce tableau, vraiment, est un tableau écrit à la suite d'une vision personnelle. On trouve dans le journal d'Henri de Groux cette citation que je vais vous lire, où il assiste un jour à une sortie de Zola du palais de justice. On manque de lyncher Zola et il est absolument bouleversé par ce spectacle. Voici la citation. « Zola apparaît soudain sur les marches du grand escalier du palais, entouré d'un groupe d'amis assez compact et poursuivi par les huées d'une bande énorme de gens de tous les mondes. À ces huées répondent les acclamations des amis de Zola. Zola, exténué d'émotion, visiblement se sent perdu et c'est avec une énergie désespérée qu'il lutte contre tous ces forcenés qui s'apprêtent simplement à le lâcher. En l'apercevant, un cri sort de ma poitrine. Qu'il m'eût été, lui serait-je vu impossible de réprimer. Vive Zola ! Et je me précipite vers Zola, que j'aide de mon mieux à franchir ces ignobles hordes soudoyées très probablement, complices d'une machination certaine. J'attrape pas mal de coups destinés à Zola, qui peut enfin être poussé dans sa voiture, qui l'emporte enfin plus mort que vif, poursuivi encore par une meute d'assassins. Hein, la description est saisissante et vous sentez combien la relation est forte entre ce témoignage du journal d'Henri de Groux et puis l'image qui en sortira d'un Zola au palais de justice, sur les marches du palais de justice. Et on voit que la volonté d'Henri de Groux, son émotion, c'est de devenir l'ami de Zola, mais en souffrant avec lui, finalement, un peu comme le disait symboliquement Mallarmé, en prenant les coups que Zola devait recevoir. Et enfin, un troisième artiste auquel je rendrai hommage, et il le mérite car il est souvent moqué, car c'est un peintre, comme on dit, pompier, qui n'appartient pas évidemment au grand mouvement impressionniste de cette époque. Et il est l'auteur d'un tableau, vous allez comprendre ma remarque quand vous le verrez, ce tableau, un tableau de grande dimension, de 2 mètres de hauteur sur 1,50 m de largeur, qui représente l'affaire Dreyfus. Voici ce tableau. Ce tableau d'Édouard Debat Ponsan s'intitule Nec Mergitur, ou Nec Mergitur, si on prononce le latin à l'ancienne. Mergitur, ça veut dire la vérité n'est pas engloutie. Hein, le verbe mergo en latin veut dire engloutir. Donc la vérité n'est pas engloutie, elle n'est pas précipitée au fond du puits. Voilà au fond ce que signifie le titre latin de ce tableau. Et que représente-t-il? Eh bien, il représente, car c'est une allégorie, une vérité qui brandit un miroir, qui sort du puits, et l'entourant deux personnages mauvais. Il y a d'une part Basile, c'est le personnage en noir sur la gauche de l'image, c'est le personnage du barbier de Séville, de Beaumarchais, qui symbolise la fourberie et la calomnie. Il est donc vêtu de noir et à côté de lui, un soldat portant une épée, un spadassin. Le soldat représente l'armée, tandis que Basile représente l'Église. Hein. Ce sont les deux forces qui se sont coalisées contre la vérité dans le combat de l'affaire Dreyfus. Je trouve que cette allégorie picturale représente avec beaucoup de force et une force polémique importante l'histoire de l'affaire Dreyfus, car ici, Debat Ponsan s'attaque d'une façon très claire à ces deux institutions qui structurent alors la nation française, dans lesquelles les Français placent leur confiance, leur espoir et leur foi, l'armée d'une part et l'Église de l'autre part. Et il ne se contente pas, Debat Ponsan, de dénoncer ceux qui se trompent, de dénoncer ceux qui contestent l'innocence de Dreyfus, mais il va beaucoup plus loin. Il dénonce le mécanisme du discours religieux et du discours militaire, du discours des pouvoirs qui s'oppose au surgissement de la vérité. De ce point de vue-là, cette caricature, cette allégorie, pardonnez-moi, cette peinture allégorique est beaucoup plus violente qu'une caricature
assez classique, comme celle que je vous montre à l'instant, qui a été publiée dans le Grelot en décembre 1997. Il y en a plusieurs de cet ordre qui jouent sur ce thème de la vérité, hein, de la vérité dans le puits, de la vérité qui sort du puits. Et là, on voit de façon plus classique, j'ai envie de dire, eh bien, l'opposition entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Il y a la libre parole de Drummond, vous la reconnaissez à gauche, qui veut mettre un entonnoir sur la tête de la vérité. Elle est toujours en train, cette vérité, de brandir le miroir. Et puis, il y a ceux qui tirent la vérité du puits. Voilà. Donc, on est devant le combat entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. C'est une caricature très nette, hein, évidemment, mais c'est une caricature qui est, au fond, d'un registre correspondant aux luttes des journaux de cette époque, alors que l'allégorie d'Édouard de Bas-Pont-Sang est, me semble-t-il, beaucoup plus violente dans ce qu'elle dit. Il a été exposé, ce tableau, au salon de 1898. Il a fait scandale, hein, les gens n'ont pas voulu le voir. Il a ensuite été exposé lors de l'exposition universelle d'avril 1900, et puis finalement il a été acheté par un groupe d'admirateurs qui se sont cotisés pour l'acheter, ce tableau, au peintre et l'offrir à Zola. Et Zola l'a reçu en cadeau à la suite de cette souscription. Au fond, c'est un tableau, j'ai envie de dire, pétition, ou un tableau souscription que Zola a reçu en octobre 1900. Il l'a mis, ce tableau, il l'a exposé dans le vestibule de son domicile de la rue de Bruxelles. Et jusqu'à la fin de sa vie, Zola a montré à ses visiteurs ce tableau. Enfin, ceux qui entraient chez Zola passaient devant ce tableau de 2 mètres de haut, comme je vous l'ai dit, extrêmement imposant. C'est le cri de conscience de non-atome, dit Zola quand il commente ce tableau. Et Debois de Bas-Pont-Sang a eu ces paroles devant le romancier en commentant son tableau. Voici ce qu'il dit: « J'ai voulu rendre seulement l'âme nue de l'abominable Basile sans m'apercevoir que je peignais du même coup le tableau le mieux réussi de ma carrière d'artiste. Je n'ai d'ailleurs aucun mérite à cela. Ce n'est pas ma main, c'est mon cœur qui guidait mon pinceau. » C'est étonnant, et évidemment on peut sourire, mais en même temps c'est une belle remarque au fond, hein, celle de ce peintre qui dit ceci: « Ce n'est pas ma main, c'est mon cœur qui guidait mon pinceau. » Il faut noter que de Bas-Pont-Sang a été victime de son engagement Dreyfusard après cette œuvre qui a scandalisé la France bien pensante de l'époque. Eh bien, il a perdu sa riche clientèle parisienne, car c'était un peintre qui avait du succès, et la suite de sa carrière a été beaucoup plus difficile. Voilà, voilà ces amis célèbres, voilà ces peintres auxquels je voulais rendre un peu hommage en évoquant des images, d'une certaine façon, qui sont assez peu connues. Et je terminerai par une dernière partie qui évoquera les amis politiques, la cause Dreyfusarde en elle-même, au fond, les amis politiques. Alors, ces amis politiques, ce sont les stratèges du camp Dreyfusarde, ceux qui dirigent les opérations à partir du procès de février 1998. Trois noms, au moins, méritent d'être cités: Fernand Laborie, l'avocat, Georges Clémenceau, l'éditorialiste de l'Aurore, le grand combattant de l'Aurore, le grand directeur du journal, et enfin le député Joseph Reynac, qui est vraiment le grand organisateur de la cause Dreyfusarde. Trois personnalités fortes, évidemment Zola est très lié à ces trois hommes. Les lettres qu'il leur adresse pendant son exil, notamment, montrent toute l'estime, toute l'affection qu'il leur porte, notamment à son avocat, il porte une très grande affection. Mais, et c'est là-dessus que j'aimerais insister, enfin ce que je voudrais évoquer, mais une tension existe malgré tout entre ceux qui se sont emparés de la cause Dreyfusarde en définissant sa stratégie, et puis celui qui, après avoir écrit J'accuse, est au fond réduit d'une certaine façon, mais il l'accepte en même temps, à une grande passivité. Il doit accepter les conseils qu'on lui donne et il n'a plus vraiment la parole. On le voit bien au moment de l'exil. Zola doit s'enfuir le 18 juillet 1998, le jour même où il est condamné par un dernier tribunal, une dernière cour d'assises à Versailles. Il doit s'enfuir le soir même, je vous l'ai dit, il prend le train pour Londres. Il s'enfuit pour échapper à la prison. Il s'enfuit parce que la stratégie juridique qui est employée consiste à vouloir repousser le moment où lui communique
sa condamnation, de telle sorte que son procès n'est pas terminé, en quelque sorte. C'est une sorte d'astuce juridique qui permet au stratège du camp des Fusards de continuer le combat. Il n'aurait pas voulu partir, mais enfin, il accepte ce départ. Il espère revenir très tôt. Il pouvait espérer, on est, vous le voyez, en juillet 98 quand il part, et déjà à la fin du mois d'août, eh bien, le colonel Henri se suicide dans sa prison et le procès commence à être révisé par la Cour de cassation. Donc Zola pouvait penser que son départ en exil correspondrait à un exil assez bref et qu'il pourrait revenir. Eh bien non, il reste, il doit rester. Ses amis de Paris, comme il le dit dans sa correspondance, lui disent chaque fois qu'il leur demande de revenir, de rester, et il vivra une année en exil. Et il est vrai que la situation est compliquée en France, et vous savez qu'il faut la mort de Félix Faure en février 1998, l'élection de Loubet, et toutes sortes de péripéties au sein de la Cour de cassation, pour que finalement, en juin 1999, on accepte la révision du procès d'Alfred Dreyfus. Donc il doit attendre, il ne peut rentrer d'exil qu'en juin 1999, au moment où la révision du procès d'Alfred Dreyfus est décidée. Lui-même d'ailleurs n'aura jamais ce dernier procès auquel il s'attendait, qu'il espérait. Son procès sera toujours repoussé et finalement il sera englobé dans une amnistie générale qui termine l'affaire Dreyfus sur le plan juridique à la fin de l'année 1900. Donc Zola est contraint par l'exil, mais quand même, il ne se rebelle pas, il reste discipliné. Ce que je voudrais simplement vous faire sentir, c'est cette tension qui est la sienne et que je trouve aussi admirable à certains égards. Cette tension, on peut la mesurer grâce à l'histoire d'un manuscrit qui a été découvert tout récemment. C'est un manuscrit inédit qui a été vendu chez Christie's en octobre 2019. C'est un texte assez court, de 5 feuillets, un texte qui s'intitule « Pour la lumière ». Voilà, petit article de Zola, « Pour la lumière ». Et je voudrais vous parler en quelques mots de ce texte inédit de Zola, intitulé « Pour la lumière ». Ce sont 5 feuillets que Zola écrit dans sa chambre d'hôtel à Londres le 19 juillet 1898. Il vient d'arriver à Londres et il écrit un article pour essayer d'expliquer pourquoi il est parti, pour répondre à l'accusation de ceux qui lui disent qu'il a fui, qu'il s'est dérobé devant la justice. Mais cet article n'a jamais paru, n'a jamais été publié. Il reste donc, pourquoi il est émouvant aujourd'hui de le découvrir, inédit. Il est resté à l'état de manuscrit, car à la place de cet article que Zola aurait voulu faire paraître, on trouve dans l'Aurore, alors là vous ne voyez pas trop le texte, mais vous voyez au moins la signature, on trouve dans l'Aurore du 20 juillet 1998, donc juste après le départ en exil de Zola, alors que Zola est à Londres à ce moment-là, un texte qui s'intitule « Pour la preuve », et qui est signé d'Émile Zola, un texte qui explique qu'il a fait défaut, qu'il entend quand même ne pas refuser la justice, que le débat a été étranglé, en fait un texte assez juridique, un texte un peu confus, un texte qui clame à la fin que même s'il est parti, eh bien il va revenir pour se retrouver devant ses juges. Eh bien ce texte a été rédigé par Clémenceau, c'est Clémenceau qui a écrit ce texte, qu'il a signé du nom de Zola. Donc l'histoire de Pour la lumière est une histoire étonnante d'un texte qui n'a jamais été publié et à la place duquel Clémenceau a écrit un autre texte Pour la preuve qui n'a pas bien sûr le lyrisme de l'article de Zola. Pour la lumière, en voici le 5e feuillet que j'ai le plaisir de vous montrer, car ce texte étant inédit, eh bien, voici comment on le connaît aujourd'hui, grâce à cette belle écriture qui est celle de Zola, mais vous sentez combien les ratures témoignent de ce moment de l'exil, de cette solitude d'un Zola dans sa chambre d'hôtel à Londres. Il écrit à toute vitesse, il a raturé, enfin voilà, c'est un texte qui est à peu près au point, mais qui a été médité, et ce 5e feuillet me semble très beau. La signature, elle est là, en bas, celle d'Émile Zola. C'est un texte, encore une fois, qui ne paraîtra jamais,
En voici la transcription. Je répète, d'Isola, que nous resterons les maîtres de l'affaire tant que nous le pourrons, et cela non pas dans un but étroit d'intérêt personnel, mais bien évidemment dans la volonté fière de tenir jusqu'au bout la porte ouverte pour que la justice, la souveraine déesse dans le temple, pour que la justice, la souveraine déesse, rentre dans le temple. On nous a traqués, on nous a forcés de laisser prendre un jugement par défaut contre nous, précisément parce que nous n'avons pas voulu consentir au simulacre de débat réduit et étranglé qu'on nous offrait. Nous attendrons d'abord la décision de la Cour de cassation, puis nous ferons le nécessaire, tout ce qui sera en notre pouvoir, pour patienter encore et n'accepter la lutte que le jour où beaucoup de lumière nous aidera à vaincre. On aura beau, jusque-là, travestir nos actes, prodiguer les mensonges et les ignobles injures, nos amis savent que nous resterons, la formule finale est très belle, vous voyez, que nous resterons les soldats impassibles du vrai, incapables d'une reculade, capables de tous les sacrifices et de toutes les attentes les plus rudes et les plus anxieuses. Et dernière ligne de Pour la lumière exprime la douleur d'un homme qui se prépare à la longue épreuve de l'exil, qui proclame son amour pour la vérité. Il dit « nous hein, », nous resterons les soldats du vrai. Il dit « nous », il ne dit plus « je », comme il le disait dans J'accuse. Il accepte la dimension collective du combat dans lequel il est désormais inclus. Nous resterons, c'est un futur. Il est décidé à tenir cette stratégie que ses amis lui imposent, mais il s'enfermera dans le silence. C'est le seul texte qu'il écrive sur l'affaire Dreyfus. Au début de cette année d'exil à Londres, il n'en écrira pas d'autre. Pendant cet exil de Londres, il écrira un roman qui s'intitule Fécondité, une nouvelle aussi, mais voilà, hein, il se plonge dans sa vie d'écrivain, il cesse à ce moment-là, étant en exil, dissimulé d'une certaine façon d'ailleurs dans la banlieue de Londres, et il cesse de parler, d'écrire sur l'affaire Dreyfus, tout en lisant chaque jour d'une façon absolument angoissée les journaux qui viennent de France. Et c'est seulement quand il rentre en France, en juin 1999, qu'il publie un article dans l'Aurore qui s'intitule « Justice » dans l'Aurore du 5 juin 1899, où il explique ce qu'a été sa situation. Depuis 11 mois bientôt, j'ai quitté la France. Pendant 11 mois, je me suis imposé l'exil le plus total, la retraite la plus ignorée, le silence le plus absolu. J'étais comme le mort volontaire, couché au secret tombeau, dans l'attente de la vérité et de la justice. Et aujourd'hui, la vérité ayant vaincu, la justice régnant enfin, je renais, je rentre et reprends ma place sur la terre française. Voilà donc cette relation de Zola avec ses amis politiques, vous la percevez avec Clémenceau, avec Rénac. Je terminerai en évoquant ceci, que jamais Rénac ni Clémenceau n'ont franchi les portes du salon de Zola le jeudi soir rue de Bruxelles. Voilà, ils sont des amis politiques, ils sont des amis avec qui, évidemment, Zola entretient les relations les plus fortes par des lettres qui sont très belles, mais il n'y a pas avec eux cette dimension affective qu'il peut avoir avec son éditeur Charpentier, avec Fasquelle ou évidemment avec Mirbeau. Ils sont un peu à l'écart, voilà, ils sont ses amis politiques, ses stratèges du camp de Réfusard, ils sont ceux qui lui ont imposé l'exil. Petit détail, cela m'amuse, j'ai découvert cela récemment en lisant attentivement la correspondance de Zola. Nous retrouvons une lettre que Zola avait écrite à Rénac en décembre 1900. Rénac l'a invité à dîner chez lui dans son hôtel luxueux. Cette invitation tombe un jeudi soir. Et Zola dit à Rénac que non, il ne peut pas, que le jeudi soir, qu'il est pris tous les jeudis soirs. C'est amusant cette lettre, parce qu'on voit bien que Rénac ignore absolument que le jeudi soir, eh bien, Zola est pris par ses amis, et Zola en tout cas refuse l'invitation de Rénac parce qu'il ne veut pas annuler un de ses jeudis avec ses proches, avec ses amis. Avec Laboury, c'est un peu différent peut-être. Je pense que c'est avec lui que les relations sont les plus directes, sont les plus affectives d'une certaine façon, mais on n'a pas beaucoup de traces dans la correspondance de la nature des relations amicales entre Laboury et
Zola, il faut les deviner. Enfin, on voit par exemple que quand même, un jour d'octobre 99, Zola est allé passer une journée à la campagne, une journée dans la maison de campagne de Laborie, près de Fontainebleau, mais on n'a pas beaucoup de témoignages d'une certaine proximité entre Zola et Laborie. Voilà, je conclus avec ces quelques mots. J'ai voulu, à travers cette question de l'amitié, répondant à la demande de Jean-Michel Potier, montrer cette diversité de ces cercles amicaux, montrer que Zola, dans cette affaire Dreyfus, évidemment, a gagné beaucoup d'amis, mais que d'une certaine façon, son cercle de fidèles est resté stable, qu'il ne l'a guère élargi. Ce qui me frappe au terme de cette réflexion, c'est que ses amitiés sont restées cloisonnées, au fond, étanches. Ces groupes que j'ai distingués n'interfèrent pas entre eux. Une exception, sans doute, celle de Mirbeau. Mirbeau, lui, on pourrait presque le mettre dans toutes les cases. C'est à la fois l'ami proche, l'ami politique, oui, puisqu'il est aussi un des stratèges du camp de Dreyfusard. C'est aussi l'artiste qui écrit dans le livre d'hommage. Bref, il est un peu dans toutes les catégories, mais c'est le seul. Remarquons aussi que Zola a évidemment accepté ses amitiés sans pouvoir leur répondre. Il ne peut pas répondre à ces inconnus si nombreux qui lui écrivent. Il a une attitude d'accueil, de respect à l'égard du tableau d'Édouard Ponsan, par exemple, qu'il reçoit avec évidemment beaucoup d'émotion et qu'il va installer dans le vestibule de son logement de la rue de Bruxelles. Ce qui me frappe aussi, c'est la variété des portraits qu'on peut tracer et en même temps le caractère curieux de ces portraits, des amis proches comme Paul Alexis, que j'ai voulu faire vivre un tout petit peu devant vous, et Mirbeau, évidemment, comme Mallarmé, dont j'ai trouvé la lettre si intéressante, et quand on la commente de près, on voit qu'elle est forte, cette lettre, qu'elle répond vraiment au contexte de l'époque. Je pense aussi à Clémenceau et à Reynag, et enfin, je pense à ces peintres, Ibels, Henri de Groux et le fameux Édouard de Bas-Ponsan, dont je vous ai montré son Nec Mergitur. Mention spéciale peut-être en terminant pour ce peintre qui peint avec le cœur, comme il le dit, qui va payer cher son courage parce qu'il va perdre ses clients. Mention spéciale pour ce peintre que la postérité même, c'est-à-dire notre postérité, ne va même plus regarder parce qu'il n'est pas impressionniste, parce qu'il n'appartient pas à la grande peinture de l'époque et qui se permettra, j'ai lu ça dans certains livres sur de Bas-Ponsan, de se moquer de lui, voilà, de se moquer de ce tableau allégorique que je vous ai montré. Il n'a même pas la gloire post-mortem des peintres impressionnistes qui ont pu être du côté des Dreyfusards. Eh bien, voilà, je voulais lui rendre hommage parce que cet acte qui a été le sien, cette vérité sortant du puits qu'il a peinte, elle est quand même assez extraordinaire. Terminons par cette dernière remarque sur cette complexité de la relation entre Zola et ses amis politiques, avec Clémenceau, avec Reynac, avec Laborie, mais aussi terminons en soulignant le militantisme dont fait preuve Zola, qui bien sûr n'accepte pas tout au fond lui-même, mais qui ne se rebelle pas, qui en tout cas ne va pas contre la cause, qui n'ira jamais jusqu'à la brouille. Il reste fidèle en amitié. En amitié, il reste fidèle, non seulement évidemment entouré par ses proches, mais il reste fidèle à la cause Dreyfusarde et jamais par des mouvements d'humeur, il ne tentera de s'opposer à elle. Voilà, je vous remercie.